Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter la façon dont j'ai monté mon métier bijoutier niveau 200. On est sur une journée de bonus d'XP sur les métiers, donc je vais en profiter pour essayer d'avancer sur les métiers de craft. On va commencer très gentiment par crafter plein de petits anneaux en quantité assez conséquente, mais c'est que des crafts qui coûtent pas grand-chose. On commence avec 158 anneaux vitalesques, ce qui nous monte niveau 19. Oh, il en manque un tout petit peu pour être niveau 20 et débloquer des crafts. C'est déjà un début. On enchaîne avec 195 amulettes du chaffeur qui ont l'air de pas mal XP et je me suis servi du craft de planches agglomérées pour monter le métier bûcheron. C'est parti. Niveau 56, oh ça va tellement vite. Craft de 65, la destinée dorée. Bon, c'est pas spécialement giga intéressant, mais j'avais les ressources en stock en fait donc j'en profite. Ça me fait quand même gagner 3 levels. Craft d'un glaglano pour un client. On prend un level, ça nous passe niveau 60, c'est super. Oh, il y en a un deuxième. Eh bien, très bien. Parfait. Quel plaisir de troisième, let's go. Quel plaisir comme ça de faire des crafts pour les gens gratuitement. J'ai pas l'habitude, je vous avouerai. Et bah, c'est full bénéf dans tous les sens. Ok, ça ne s'arrête pas. Si ça pouvait ne jamais s'arrêter, ce serait parfait. Il faut cliquer. Allez, allez. Allez, on clique. Voilà, il trouvait plus le bouton, je pense. C'est ma théorie. Parfait. Une vingtaine de juste anneaux, c'est parti. Niveau 75. 20 épis de farle. 1500 d'XP chacun. Ça nous monte niveau 89. On continue avec 50 amublots de griotte royale. C'est assez rare parce qu'il n'y a pas ni de substrat de bûcheron, ni d'alliage de mineur dans le craft. Ça nous monte niveau 107, c'est pas mal du tout. Craft de 10 fourbalances. Après un problème de pénurie de trucs école mort, mais heureusement la communauté est venue me régaler et m'en a donné plein, donc ça fait trop plaisir. L'avantage de faire ça en stream. Fourbalience du coup, ça nous passe niveau 115. Craft d'un anneau tissé pour un client. Ça nous fait XP un tout petit peu, je crois. Craft d'une alliance Ardala pour un client. J'ai un doute, est-ce que ça fait XP? Ça me fait XP un peu, d'accord. Et l'amulette qui va avec. Nickel. Craft un anneau du dragon cochon pour un client. On prend un level. Je crois qu'il y a une amulette aussi. Parfait, croquilleur. Un level et demi. Yes! Craft un anneau du dragon cochon pour un client. On passe niveau 117. Je crois qu'il veut également une amulette. Allez, allez, on met l'amulette. Eh bah, il lui manque un truc. Ah bah tiens, c'est bizarre ça. Et il a trouvé sa ressource manquante, donc amulette du croquilleur. On prend encore un peu d'XP. Oui, bon, j'ai crafté un collier des Ekaflippus et une bague des Ekaflippus avec des ressources Punisher qu'on allait chercher. Parce qu'aujourd'hui, c'est EcoCraft, mais bon, voilà, il y a eu quelques petites complications, je vous passe les détails. Toujours est-il que on passe niveau 118, presque 119. Craft de 3 anneaux xélomorphes avec les ressources qu'on est allé farmer. On prend 3 levels. Et normalement, je suis censé pouvoir faire, si je me suis pas raté, d'autres trucs. Un autre fractal. Ah bah non, j'ai plus de pixels. Ok. Craft d'une torque ancestrale pour un client. On prend un peu d'XP. Craft d'une alliance du capitaine pirate pour un client. On prend un peu d'XP. Craft d'une amulette des 8 yeux pour un client. On prend un peu d'XP. Craft d'un anneau royal du bouffetou pour un client. On prend un peu d'XP. Est-ce que l'amulette nous passe niveau 122? Yes! Craft d'une alliance Aquadala pour un client. On prend un tout petit poil d'XP. L'amulette qui va avec. Encore un tout petit peu d'XP. Craft d'un gantelet du Réal Boitard pour un client. On prend un tout petit poil d'XP. Craft d'un anneau du Wabi de Céphale pour un client. On passe niveau 123. Craft d'une résinette pour un client. On prend un peu d'XP. Craft d'une feuille d'automne pour un client. On prend un petit peu d'XP. Anneau du Wabi de Céphale également.
Et on passe niveau 124. Feuille de printemps. Niveau 125. Craft d'une médaille Kido pour un client. On passe niveau 126. Craft d'une plante amulette pour un client. On prend un peu d'XP. Et une amulette du renouveau. Presque niveau 127. Craft d'une amublob Griade Royale pour un client. On prend un petit peu d'XP. Et une coco. On passe niveau 127. Craft d'un anneau du melou pour un client. On prend un tout petit peu d'XP. Un melou cette fois-ci. Un peu plus d'XP. On est presque au niveau 128. On enchaîne collier du rat noir. On passe le niveau 128. Et on est good. Craft de 200 colliers du Minotaur Or pour un client, c'est énorme. On passe niveau 156, on est aujourd'hui en Almanax et ça régale. Ah bah ça c'est ce qu'on a économisé. 159. Encore 4. Alors ça fait bien XP. Craft de 43 la maîtrise des poupées. On passe niveau 161. Encore 6 avec l'EcoCraft. Peut-être une dernière, ouais. Hop là. Ensuite, l'amulette d'Ulcrap. 400! Oh la vache. Ah bah j'XP pas. C'est dommage ça. 60 de plus. Voilà, la fausse joie que j'ai eue. J'ai cru que j'allais exploser en niveau là. Une petite dernière. Hop là. Craft de 17 aliments dédiés au wood. On passe niveau 164. On est en EcoCraft. On a le rap qui arrive. Encore un peu d'XP. Encore un. Parfait. On enchaîne Gandhi, Capitaine Écarlate. x20. On passe niveau 167. Encore 3. Pas mal. Craft d'un collier du Tadnuku Isan pour un client. On passe niveau 168. Craft de 8 anneaux du Minotaur Or. On prend un peu d'XP. On en a un de plus avec l'EcoCraft. Parfait. On enchaîne bracelet du Minotot. Il doit y en avoir un peu plus que ça, j'imagine. Oui. Ok. On passe niveau 169. On enchaîne, on les fait un par un. Ça c'est pour. En fait, pour les EcoCraft, si vous faites les crafts en paquet, vous économisez de façon déterministe. Et si vous faites un par un, vous avez de la RNG. Ça dépend ce que vous préférez. Et là, apparemment, ça veut écho. Peut-être les bracelets justement qu'on vient de crafter juste avant. On passe niveau 170, du coup, ça monte tranquillement. Ah oui, on me dit dans le chat, c'est surtout que les anneaux sont des jets uniques, donc on peut pas les stacker. Oui, c'est tout à fait. C'est certainement la raison en fait. On enchaîne avec les colliers du Minotot. Pareil, hein, même problématique, j'imagine. Ça XP gentiment. Hop là, niveau 172. Je sais pas, il en fait combien, mais ça met bien. Ok, on devrait être 173 là-dessus. Voilà, parfait. Good. Encore du bracelet Minotaur, c'est parti. Une fois. Collier. Collier aussi. Ok, on passe sur du talisman d'Elia Wood. Ça fait du bien de retrouver le stack des items. x4, on passe niveau 174. Anneau oblitéré. Niveau 175, encore un. Ah bah j'ai parlé un peu vite. Qu'est-ce qui empêche de stack ça? Non, là je pense que c'est pas. Il n'y a rien qui empêche de stack ici, c'est un choix de maximiser la RNG pour économiser les bracelets, je pense. Ou un truc dans le genre. Ah non, j'ai rien dit. Il y a le bracelet Bwork. Ok, on est 179. Oui, il y a l'air d'en avoir un paquet. Ok. Encore, on continue. On passe niveau 180. On passe sur de l'anneau chevelu, x20. Ah, le bon stack, ça fait plaisir. Niveau 192, le rap de l'EcoCraft, x3. Niveau 193, craft de 10 émunites.
On passe niveau 198. L'EcoCraft qui en fait une de plus. 199, plus qu'un level pour avoir le niveau 200. Craft de 25 anneaux du melou. Du mulou. Bon, je pense qu'on va pas prendre d'XP là-dessus. Et du coup, melou derrière. Ah, il va falloir les refaire un par un encore. Alors là, on prend pas d'XP du tout. Enfin, quoique. Non, si, un petit peu quand même. 126. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher le niveau 200? Alors, on va voir ça très vite. Ok, ça monte, ça monte. On avait combien? On en avait 25 à faire. Il y a peut-être un peu de rab en plus d'Anomulu avec l'EcoCraft. Il y a moyen que ça passe tout pile. Ouais, j'ai jamais eu autant de suspense sur un up bijoutier. Dinguerie. Ça monte, ça monte, ça monte. Wow, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Mais écrivez en commentaire si vous pensez que ça va suffire à me faire up, en fait, bien sûr. Il faut que je fasse une prédiction sur Twitch, là. Pariez vos points de chaîne. En vrai, plus que deux. En vrai, oui, ça passe. Parce... Il y a du rap d'Anomulu juste avant. Wouah, dinguerie. Let's go. Bijoutier 200. Ça régale. Et merci beaucoup à cet abonné qui m'a fait faire beaucoup de craft et ça m'a mis très très bien. Voilà comment j'ai monté mon métier bijoutier niveau 200. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.